Et toi, tu souffres. Un roi sans trône. C'est turbulent. C'est turbulent, un roi sans trône. Or, ce qui caractérise la royauté, c'est le trône. Or, quand tu es assis, tu es comme chef. On t'envoie tout. Regardez le palais. Quand il est tout sur le palais, comment le roi agit dans le palais? Le roi n'a rien. Mais tout ce qui appartient dans le, au royaume est pour le roi. Ça ne se détruit pas. Si le roi est là, on emmène son roi. Parce qu'il est assis sur le trône. Or, quand tu n'es pas assis sur le trône, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Les gens qui sont assis à ta place. Sois assis sur ton foyer, sois assis sur ton mariage, c'est les gens bizarres, pantalon de le pétalé. Maintenant c'est les prêts du corps, il est bien en retour. Amen. Toi-même tu sais lui là, c'est pas ta gamme. Il y a des gens quand tu vois dire que c'est pas ta gamme. Non, lui. Fais l'éternel te délire si tes donneurs se plient ton cœur. Quand Adam s'est levé, il a regardé elle. Non, ça, c'est la chaîne. Non, il y a pour Dieu voir. On ne sait jamais. Quand j'ai jamais. Moi, quand il y a, j'ai dit aux gens, Dieu a créé deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le cerveau et les yeux. Pour réfléchir. Pas précis, n'est-ce pas? Les yeux sont là pour Dieu voir. Quand tu regardes, c'est pas ta gamme. T'as pour quoi ça? Or, si tu n'aimes pas quelque chose, demain, la maman parle. Faut apprécier. Ok, je sais que ça, ok. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Il faut que nous puissions dégager ces mauvaises personnes de nos vies. Ceux qui sont rendus injustement. Amen. Qui ne devaient pas exister dans notre vie. Amen. Qui sont venus, qui sont rentrés. Qui ne devaient pas sortir. Nous allons les dégager au nom de Jésus. Amen. Pas parti. Tu es venu dans ma vie, tu as fait deux, trois enfants, moi, bizarre. C'était pas toi. Maintenant, je suis venu. Tu es grand-mère. Non. Les grand-mères. Dans ma langue, dans les grand-mères. Quand vous arrivez au stade de deux, trois enfants, quand on veut venir calculer. Parce que, même s'il devait père de trois, quatre, trois enfants, il veut réfléchir. Il veut calculer. Il reste son budget. Il a dit si tu es intelligent, il faut aller chercher ailleurs. Amen. Amen. Les gens qui sont rentrés dans votre vie comme ça. Comme ça. Vous saccagez la vie. Et tu te retrouves avec des choses, des conséquences bizarres. Et tu ne sais même plus où mettre la tête. Je réfléchis, tu ne sais même plus où mettre la tête. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Et puis créer des liens. Parce que l'enfant, c'est un lien. Ils sont là, ils vous menacent. Ils vous créent des choses parce que l'enfant est là. C'est plus mettre la tête. Des liens sont créés. Frère, ne permettez pas aux gens comme ça d'entrer dans votre vie. Parce que pour sortir, ça serait difficile. Amen. Amen. Ah non, j'ai fait encore des enfants. Ils sont en train de détruire. Ah, c'est ça, ce contact. Alléluia. Amen. Je disais ça aujourd'hui, quand on est un enfant, on s'assoit, on réfléchit. Oui. C'est vrai. Pas au boulevard, vous dites, j'ai fait autoroute et j'ai fait accident entre les modes et ma BM 406. Et ma voiture, ma Peugeot 406. Et non, c'est accident. Bien réfléchi. Il y a des gens qui sortent de ta vie, ça serait difficile. Parce qu'ils veulent créer des liens. Ce qu'on appelle des liens. Et pour briser, c'est difficile de t'en sortir. Parce que c'est leur objectif. De te mettre dans la captivité. Ils font de toi prisonnier. Ils veulent combattre ça. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont partir. Et déjà, puisqu'on a comme ça dans votre vie, ils perdent vos maisons, ils font rien à vous et vous contrôlent. Ils ne vivent même pas à vous dans des relations. Vous avez un truc, ils perdent vos maisons. Quand vous voulez avoir une bonne relation, ils viennent se plaindre. Pourtant, ils ne font rien à vous. Ils ne font rien à vous. C'est des gens qui doivent dégager de votre vie. Alléluia. C'est des formes de sorcellerie. Bien sûr. Il doit quitter vos vies. Il y a des choses que tu dois dégager de nos vies. Amen. Tant que ces personnes ne les dégageront pas, vous n'allez jamais voir Dieu en train d'agir. C'est clair. Amen. Amen. Il faut que ces gens dégagent. Je vous disais, c'est quand Lot s'est séparé et Abraham
Dieu t'a obligé de dire, Abraham, sépare-toi de ce monsieur. Au moment où Dieu appelait Abraham, confiait une grande mission, la destinée de toute sa descendance, il marche avec son neveu, il conduit, et puis Dieu dit non, c'est pas lui. Il y a des gens qui ne doivent pas vous accompagner là, dans la destinée. Il ne doit pas arriver là, et toi tu l'envoies. C'est pour ça que Dieu bloque certaines choses, parce qu'il n'est pas appelé à bouger toi. Mm-hmm. C'est pas lui qui doit partir avec toi là. Alléluia. Amen. Je suis une femme, ça ne prie pas. On a une relation. Si elle ne prie pas. À quoi il sert? J'ai foutu avec elle. Le jour où les gens vont manger, elle va dire fini. Donnez-moi les tripes. Moi j'ai besoin de ce cambo, j'ai fait foutre ça. Si vous les mangez, mais moi j'ai besoin du cœur, j'ai fait tout l'estomac. Moi j'ai fait foutre. Elle sauce claire. Oui. Oh, David dit, c'est avec Dieu que nous ferons des espoirs. Amen. Oh, Dieu n'est plus au centre de nos relations. Elle s'en fiche de Dieu. Il s'en fiche de Dieu. Ça ne lui dit rien. Non, il m'aime. Ok. Et alors, ça va durer combien de temps? Tu n'as pas la crainte de Dieu, il va avoir une autre fille dehors, il va te tromper. Mais là, c'est clair. Or, s'il a la crainte de Dieu, il serait donc très sage. Il va réfléchir, il dit non. En faisant ça, je suis en train de faire du mal à une femme. Je pense partager mon corps avec l'autre. Je préfère non, je l'aime, je n'ai pas la crainte. C'est la crainte de Dieu qui fait ça. Bien sûr. Sinon, les filles, vous voyez là, elles aiment souquer, hein. C'est la crainte de Dieu, hein. Il y en a plein qui choquent les gens. Mais encore de Dieu, on dit, on attrape le cœur, vous dites non, Seigneur, si on fait ça, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut la crainte de Dieu. Mais tu te dis, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Or, quand quelqu'un voit ça comme ça, Dieu le bénit. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Oui, il faut être honoré Dieu dans nos relations. C'est ça, tout ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des conséquences. Frère, Dieu l'éclaire là-dessus. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'as pas honoré Dieu, il ne peut pas t'honorer. C'est l'humiliation. Tu es frappé par l'humiliation. Parce qu'il ne t'a jamais mis Dieu au devant dans cette relation. Le monsieur est rentré, il est rentré dans ta vie comme ça. Dieu n'a jamais été au centre de tout ça. Et voici les conséquences. Il est là, vous pleurez. Et les liens ont été créés. Tu ne peux plus t'en sortir, tu as des problèmes. On t'a déclaré peut-être prétendu parce que tu réfléchis trop. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est important que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce soir, nous avons coupé avec les liens. Amen. 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 Les gens qui sont venus bizarres, d'une manière bizarre dans nos vies, nous allons nous dégager de ces personnes. Il faut qu'ils quittent. J'espère que je ne suis pas en train de vous attrister. Hein. Non. Ça a duré combien de temps? Un sorcier. Vous allez vivre un sorcier, un monsieur. Je t'aime. Et d'autres me disent, c'est pour faire une vie seule. C'est vrai, ça, c'est difficile. Amen. Amen. Il faut que Dieu t'envoie l'homme de sa crainte. Il dit que ça soit basé sur ça. Tu sais, c'est important. Dans vos relations, s'il n'y a pas ça au centre, hein, madame, la fille, tu constates qu'elle, elle ne prend pas faire de Dieu au sérieux. Ou pendant que vous priez, Seigneur, bénissons le Seigneur. Il est bon. Bien dort. Et les gens sont allégés à la prière. Vous avez remarqué? Une allégie terrible à la prière. Quand vous voulez commencer, Jésus, nous sommes. Ou tu te dis que ta sorcière ou ton sorcier t'a vu là. Amen. Amen. Mais ce qui est en lui là, ça ne sert pas la prière. Oh, mais toi, tu as tiré de les bonnes choses. Vous comprenez? Il y a des petits signes comme ça. Monsieur là, tu commençais la prière, c'est en ce moment-là. Vous voyez, il ronfle en pleine prière. Tu es étonné. Et quand tu dis Amen, c'est réveil. Fais attention. Je vous dis lui là. C'est qui en lui là? Il va Saint-Esprit, hein? C'est diable. La prière doit l'intéresser. Tu n'avais pas prévu. Vous comprenez?
On est béni, t'es sans Dieu, frère. Le seul problème, c'est qu'on est caduc de nos vies. On est loin de nos vies. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que nous souffrons. Je vous assure, si on met Dieu devant de tout, ça va marcher. Moi, c'est le jour où je ne mets pas Dieu, il y a des problèmes. C'est comme ça. Or, la volonté de Dieu, c'est pas forcément ce qu'on apprécie peut-être. Mais il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Amen. Jésus a dit, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Parce qu'on a même fait notre volonté. Or, il y avait la croix, il y avait l'humiliation. Amen. Il y avait l'humiliation. Jésus a été humilié, il a été crucifié. Mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Cherchons chaque jour à faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Cherchons à faire la volonté de Dieu. Non, il est bien, il est beau, elle est belle. Ça, c'est pas ça qui est plus important. Est-ce que Dieu est au centre de nos relations? Est-ce que cette personne aime Dieu? Amen. Amen. Ça, c'est important. Est-ce que quand je suis au Maroc, Dieu veut que je sois au Maroc? Là, il va toucher un point très sensible aussi. Est-ce que quand je vais aller en Europe, Dieu aimerait que je sois en Europe? Je dis à une fille, tu veux aller à Benguela, un bon Benguis qui sont en Galais vivent là-bas. Mais voici, ils sont en train de prier. Vous pensez, vous voyez bien, comme, non. Vous êtes venu ici, non? Les sorciers sont si vous en dites, vous attachez. Si vous n'êtes pas délivré, allez à Ben. C'est brinzé, vous allez manger. Vous allez voir Jésus, même comme. Jésus, église. Tu as vu l'église? Homosexualité. Tu as fait raccourci. Et toi qui étais chrétien zélé là, waouh! Il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans le plan de Dieu, tu es à Zaroko. Si Dieu veut que tu sois en Europe, pourquoi ça vous fait pas de guerre? Amen. Amen. Cherchons la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord à faire la volonté de Dieu? Amen. Nous sommes tous d'accord à faire la volonté de Dieu. Amen. Ça c'est important. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre les portes. Amen. Amen. Ce que nous allons faire ce soir, c'est d'attaquer la sorcellerie. Amen. Attaquer ceux qui sont venus injustement dans nos vies. Amen. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu, ils sont venus s'installer. Mmh. Ils sont en train de régner. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Amen. Nous allons les dégager. Ça va Dieu, ça ne va plus aller entre nous. Si c'est pas l'homme de ta vie, ça ne va plus marcher. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble prier. Et demander au Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, de se révéler à chacun d'entre nous. En fait, que ceux qui ne sont pas appelés à vivre avec nous, à rester avec nous, à aller loin avec nous, que ces personnes soient dégagées. Amen. Parce que nous sommes appelés à aller pas avec. Il y a certaines personnes avec nous qui ne sont pas appelés à aller très loin. Et que Dieu les écarte de nos vies. Nous prions sans le Seigneur. On ouvre la bouche, on parle. Nous ouvrons la bouche. Nous ouvrons la bouche, nous prions. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es tout puissant. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te prier. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous te rendons la gloire, nous te bénissons nous prions pour ceux, pour tous ceux qui ont tissé les liens bizarres dans nos vies. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas appelés à marcher avec nous. Que Dieu les écarte de nos chemins, qu'ils soient éloignés au nom de Jésus. Qu'ils soient éloignés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh là 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 là. Je suis un peu plus de la vie.
Il a pris quelque chose de toi. Il a créé un pacte, un lien qui fait qu'aujourd'hui même, il est encore rattaché à ta vie. Tu le vois peut-être dans tes rêves. Souvent que les gens ont l'impression que le monsieur d'avant, l'ancien copain, on le voit comme un mari de nuit. C'est un lien qu'il a créé. Voilà, donc nous allons briser ces liens. Nous allons briser ces pactes. Prions ensemble, Seigneur. Je suis pas là, 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 je suis pas là
détrôner tous ceux qui sont assis sur le trône de notre vie. Celui qui est venu s'asseoir sur ton mariage, ton bagage, ta fécondité, ta prospérité. Tu vas ordonner qu'il quitte sur le trône de ta bénédiction. Alléluia. Prie ensemble, le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Libérez, lâche-la. Pour libérer sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lâchez sa vie. Pour libérer sa vie. C'est un ordre. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Maintenant, Mère, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Lâche-la. Au nom de Jésus.
Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Continuez de prier. Pour que tout ce qui soit assis, que ce soit ta mère, que ce soit Satan, que ce soit ton père, qui assiste sur le trône, que la personne dégage. Dans le nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Oui, je libère. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je libère ton ventre. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Maintenant, main. Maintenant, main. Feu. Je libère. Je libère ton ventre. 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 Je libère ton ventre, je libère ton ventre, je libère ton ventre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, 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 te délivre maintenant, sa puissance, te délivre maintenant, sa puissance, te délivre maintenant, sa puissance, te délivre maintenant, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te délivre, la puissance de Dieu te délivre, la puissance de Dieu te libère, je proclame ta délivrance, 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 la puissance de Jésus. Te libère maintenant. Sa puissance te délivre. 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 Jésus. 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 Je brise ce nom. Libérez son nom. Je brise ce nom. Libérez son nom. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Au nom de Jésus. Libérez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. La puissance de Dieu. 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 Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Libère ta vie. Libère ta vie. Dans le nom de Jésus. Père, tu contrôles toutes les choses. Tu contrôles le monde. Seigneur, tu contrôles tous les esprits. Père, tu es le maître. Au nom de Jésus. Libérez sa vie. C'est un ordre. Lâchez-la. Lâchez-la. Libérez sa vie. C'est un ordre. Libérez sa vie. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis parce que tu es Dieu. Agis parce que tu es Dieu. Agis maintenant. Seigneur, agis maintenant. Agis. Agis.
Seigneur, tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Tu es celui qui libère. Éternel, tu es celui. Au nom de Jésus, tu t'arraches amplement des ténèbres. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance.